Et salut à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, Monsieur Gwen56, sur le jeu Cyberpunk 2077. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager. Merci à vous. Et let's go, c'est parti. Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. Moi c'est V. Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Bienvenue dans Cyberpunk 2077. C'est votre première fois à Night City. Suivez attentivement les dictatelles pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Mais si vous êtes déjà au... Engineer Runner expérimenté, n'hésitez pas à désaffûter les conseils. Vous pouvez vous rendre dans la base de données à tout moment de la partie pour accéder au dictatel et vous renseigner sur les sujets importants de Cyberpunk 2077. Allez hop, let's go, c'est parti! Je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qu'il fait seul près de la frontière.
Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. C'est pas trop mal. Mais la question, c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Vous voyez? C'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures, je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike, on va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales, pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y'a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y'a pas de clan, et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. On m'avait dit que cet endroit était réputé pour son hospitalité. Eh ben, je suis pas déçu. Et comment qu'on est accueillant? Avec les visiteurs qui savent se tenir, évidemment. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Vous aimez bien le son de votre voix, hein? De quoi vous parlez? Ça veut dire quoi, ça? Rien. Rien du tout. Ouais. Thank you.
Allô? À toi! À toi! Ah, je te reçois, ça y est. Willy McCoy, c'est bon de t'entendre. Hé! J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit, au bon moment? Hein? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci, Willy. Je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus.
J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jack. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi. Je suis né à Night City, un pur produit d'Haywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Haywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Haywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. Bonjour, Night City. Vous êtes avec Gillian Jordan sur la cargaison. Et voici l'actualité locale. Il y a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer? C'est de la marchandise corpo volée. Volée? Ah. Un pommard l'a perdue, un autre l'a trouvée, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière, hein. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne. Bon, on décolle. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si, si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand, on est tous les deux des pros, ok? Hé, t'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? pour le favor. Ok, peut-être un peu. À la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Il faut nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste. Ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Ah, putain madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakshish? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oubliez. Je laisse tourner le moteur. Au
cas où ça part en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Vos papiers ? Contrôle de routine ? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez ? Tout est là. Vous êtes sûr ? S'il y a un problème, dites-le-moi. Je suis sûr qu'on peut s'arranger. Mais j'ai encore rien dit. La question, c'est... est-ce que je dois m'attendre à une irrégularité ? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez. Aucun clan. Je roule tout seul, pour moi. C'est... courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut ? Ils sont jeunes et naïfs. Comment ça s'est passé ? Ah, autant dire ignorant. Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas. Un connard de douanier a fait du zèle. Et c'est pas leur boulot. Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes ? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là. Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde.
bas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. Ils ont failli nous avoir. C'est ça que t'appelles de la contrebande ? Chingalo ! C'était censé être un job tranquille, sans accroc. Hey, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute ? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent ? Et s'en tirer comme ça ? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir. Et il a eu raison. On fait quoi maintenant ? Je te retourne la question. Tu vas continuer à te plaindre ? Ou bien on peut régler la note, là ? Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement ? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite ? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Oh merde ! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames ! Un vrai iguane ! Des petites antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose ? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous ? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. Je lui avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City ? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non ? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein ? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé ! Non, il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City, alors ? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Boa Boa,
plus on prend de risques, plus on peut gagner gros, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Ou alors quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Au cimetière ! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City ! La cité des rêves ! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappée. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR ? Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Ok. Mañana. Mañana. C'est parti. L'ascenseur. Par ici. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hé, hey, on va arriver à temps, Bug. On. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y'a pas marqué ligne de l'amitié, là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Anne, oh, je déteste quand ça se joue sur lui. Essaie de pirater la porte. Maniez-vous. Est-ce que je peux compter sur toi, V?
C'est notre cible. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de reprocétatèques. Hey, tiens-toi prêt. Penderos droit devant. Quitte-le en silence, mais... Attention. Combien? 4. Donc, faites gaffe. Du matos de... Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Des os sortent de mes couilles. La clinique en désossume. Je vais. Ils arrivent. Attends le bon moment. On va se faire ces enfoirés. Trouve un acheteur unique pour elle. On va se faire des couilles en or avec le groupe de fils de pute qu'elle a. Cabrones. Ils grouillent comme des cafards. On attend et on se prépare au carnage. Élimine-en un. Discrètement. Prends celui qui est le plus proche de toi. Allez, on se les fait. Buena suerte. Il est dans une pièce qui donne sur le balcon. La fenêtre sur la gauche. 2 secondes, je vais sauter la serrure. Je les tire. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez pas. Elle est forcément quelque part.
m'habituerai jamais à ça. Aux désosseries. Ces saloperies qu'ils font aux gens. Ces mecs sont complètement tarés. Plus jamais j'accepte un boulot pareil. De le rôle pour mi madre. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Pas un signe. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carla, roti bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour, Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! Elle fait un trépas! V, dis-moi ce qui se passe! Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essaie! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Voilà, sors-la d'ici! La terrasse! Atterrissage, dégagé! Lancement du protocole de sécurité! Suivez les instructions! Arrêtez-vous à la porte! Déposez la patiente au sol! Cinq pas en arrière! Allez! TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là.
Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Whelan, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit ? Jackie. Ils vont boucler Watson, tu te souviens ? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano ou... Ah merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Je l'adore. J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. T'es des os ! Bande d'enculés ! Putain, Jackie, roule ! Allez, vite, tire ! J'essaye, arrête de zigzaguer ! Mierda, perdón. Je vous ai eu, les connards. Hé, vise le conducteur. Chingalo. Elle a morflé, ta pauvre caisse. Désolé, V. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Chingala madre ! Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon ? Et pourquoi sur moi spécialement ? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée ? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez ? C'est une raison valable. Regardez-le. C'est pas le citoyen modèle, c'est vrai, mais c'est un bon petit gars. Laissez-les passer ! C'est les derniers. Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent.
Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps. Je suis jamais pas sympa. C'est la Max Stack. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Max Stack se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Chez toi. Et toi alors? Y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. De beaux rêves. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. Ay luego. La violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont éclaté sur la 1, la 166 et... Bonsoir, Night City! Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Eliaou, le... Bug? J'ai oublié de te dire. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission... Jibin qui promeut
Sidi, merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'implant le plus select et le plus recherché de tous sur le marché, la relique d'Arasaka Corp. Mais d'abord, explique-nous. Deux fois pour le faire réparer, ça doit être un genre d'arnaque. Quoi ? Tu vas voir, je vais lui dire deux mots, concierge, moi. Oh, V, t'as dormi un peu? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. C'est ta caisse, après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. Night City, expect the unexpected.
un appel. On est ici pour vous aider. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus, V. Putain de ta mère, vas-y là! Oh non, non, non. 14, ça va pas. C'est pas assez. Attendez, vous voulez dire 14 par jour? Ah, c'est différent, là. C'est mieux. Discutez avec mon parti. Si on se faisait un round 2, il est partant. Bonne journée. Vous rentrez de Bringue? Jetez un œil. Je vais jeter un œil. Merci beaucoup. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnels. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Anako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. WLS News vous souhaite à toutes et tous un magnifique Matsuri. Amusez-vous bien. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Senior Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier.
Mes souvenirs sont bons ou bien... j'ai complètement déliré. Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premius. T'écoutes ? Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle, déjà ? Ah oui, un certain Dexter de Champ. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Dexter de Shaun ? Qu'est-ce que tu sais sur lui ? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces deux dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans ? C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qui branlait ? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des virtus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe, et qu'il nous a trouvés. Alors c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... tout repose sur toi, essaie. Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein. J'ai rien contre le Padre ou Wakako. Mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les bouleaux et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Grâce à Dios, estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Désos. Merci, Jack. Super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Le charcuterie et mollo sur l'accélérateur, et c'est... je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais. Je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Travailler ici, c'est tout. Salut, V. Le docteur Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Tu
Ne me touchez pas. Malone baisse sa garde. On voit qu'il commence à s'essouffler. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un... Yok, content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine? Ok. Laissons ça pour plus tard. Bon, on en était où? Qu'est-ce que je... Oh, c'est vrai. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin! Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawl. Je joue dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawl, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Non, comme d'hab. Je sens rien. T'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois? Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, ce serait différent. T'as raison, petit.
C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin, bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Waouh, c'est mortel, lui. Ah, nickel. On passe. Sous scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois à tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus, du dernier taf, tu sais, tu peux regarder? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie zéro bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en vaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives. Et rester loin de tout ce qui est rouge. Hey, y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici. À côté de Gramsci Burgers. Ok. Je vais aller faire mon numéro. Vous n'êtes pas maître de vos souvenirs. Car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins... J'ai une affaire délicate. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans le... Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle... que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Thank you.
Monsieur V. Enchanté. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix. Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot ? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendé. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidzies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer.
À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. J'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si ça sera vraiment utile. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi ? Et Dex, il va faire quoi ? Se balader en limo ou en draguant des filles par rouleau. Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Hey, combien pour ça? C'est pas à vendre. Dégage, tu fais peur aux clients. Ah, parce que... parce que je suis pas un client, peut-être? J'ai des idées. Te voilà. Bon, je t'écoute, qu'est-ce qu'on fait? Dex a déjà payé les Maelstromers pour le robot Corpo. Sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance? Bon, ça change rien. Allons récupérer ce robot. T'as réfléchi, t'as un plan? M'étonnerait que ça se passe en douceur. C'est le Maelstrom. Avec les gangs, c'est pas compliqué. Les forts survivent, les faibles meurent. Et faut baiser l'autre avant qu'il te baise.
Bon, on entre faire coucou à ces Borg. Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leur porte. On verra déjà s'ils ouvrent. Ah, je hais ces enfoirés de Borg. Fallait que ça tombe sur eux. C'est un gang comme les autres, non? Prends les Valentinos. Ils suivent Dieu et la Santa Madre. L'honneur a un sens pour eux. On sait ce qu'ils veulent, comment ils l'obtiennent, et ce qui les fait chier. Avec le Maelstrom, on sait jamais à quoi s'attendre. Vas-y, préviens-les qu'on est là. Je vous connais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit. Manque juste quelques plantes. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des vers sur une charogne. T'as entendu parler de leur boss, Royce? Ouais, par Dex. Il est un peu spécial d'après lui. Mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. Vous avez un robot. Un modèle MT-0D-12. Un Flathead. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le type que je représente a payé Brick pour l'avoir. Je passe juste pour la livraison. Je parlerai à Royce directement s'il faut. Mais non, c'est avec moi que tu vas parler. Je m'appelle Dom Dom. Le canapé, posez-vous que... Rester debout. T'as du mal à picher, connard.
pose ton putain de cul sur ce putain de canapé. Force-moi. J'ai cru que tu le demanderais jamais. Et pose ton cul avant que je te colle une balle dans le crâne. Jack, assieds-toi. Ça va mal finir tout ça. Fais chier. Bon, très bien. Allez, on se détend. Prends une dose. Ça va mieux ? Maintenant, on peut causer. Et voilà, le Flathead, modèle MT-0-D1-2. Je dois le voir. Fais-toi plaisir. C'est un putain de secret, Joujou. Bladage avec camouflage thermo-optique dynamique. Immersion cognitive totale avec contrôleur Revel. Prototype d'actionneur amélioré, réalisé en alliage de titane vanadium Kevlar. Et regardez ça! Ils ont intégré complète, alors que l'araignée se mettra à escalader un mur, à suspendre au plafond. C'est la gerbe assurée. Alors vous en dites quoi? Ouais, on le prend. Helios, c'est super. On peut voir vos crédits. Demandez-les à Brick. Il a été payé. Demandez-les à Brick, c'est ça. Je vois personne qui s'appelle Brick ici. Et toi ? Eh oh, tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot ? Tu crois que c'est toi qui décides ce que je peux faire ou pas ? Hein ? Si je te dis de repasser à la caisse, tu le fais ! Bon, si vous voulez le Flathead, vaudrait mieux allonger les édits. Vu que t'as déjà reçu les édits à l'avance, tu pourras nous faire une réduc. C'est la moindre des choses. Une réduc ? Ouais. En fait, j'y pense. Tu nous as pas dit qui t'envoie ? Pour qui tu bosses ? Dexter de Shawn, si tu veux le savoir. Dexter de Shawn, le gros lard qui a enculé la moitié de Pacifica avec une barre de fer. Non, il pète même la forme. Et il transmet ses amitiés. Mon offre alors, tu l'acceptes ou pas? Paix. Amenez-vous, fils de pute! Je te tiens, ce fils de pute! Arrangez, mais... Où est tes cabrons? C'est bon, j'ai tout. Le robot et le contrôleur. Alors on se casse. Vaut mieux pas traîner. Allez, on dégage d'ici. J'ai besoin de prendre l'air.
Ça me donne envie de gerbe. C'est une chaîne de production. Et puis je croyais que t'aimais la barbaque. Il n'y a vraiment pas d'autre chemin. Mesdames et messieurs, Jackie Wells. Ah, je l'ai blessé. Thank you.
lance des grenades. Allez, cabrones, je vous attends. On n'a pas eu à supplier. On doit rien au corpo ni à personne. Et le Flathead est à nous. Le business, ça se mène comme ça, V. Je suis d'accord. Eh, normal, vu que j'ai toujours raison. C'est gentil de le remarquer. J'adore cette ville. Toujours une occasion à cette...
Malgré la haine fraternelle. Enfin, si t'as des cojones et tu sais t'en servir, presque tout est possible. À moins de prendre une balle, pas forcément perdu. Même là, tu ferais une sortie remarquée. Et ça se saurait, les gens s'en souviendraient. Ce serait tout bénef. Et maintenant, Jack? Et maintenant, je rentre retrouver Misty. Et on va faire ce qu'il faut pour que je me remette de mes émotions. On aurait vraiment pu y passer aujourd'hui, tu sais. Y a pas photo. C'est les risques du métier, Jack. On a encore réussi à échapper de justesse à la grande faucheuse. Faut fêter ça, même si ça commence à devenir une habitude. Oublie pas de prévenir Dex qu'on a récupéré son jouet. Ah, il est bon. Comment ça se présente, Monsieur V? J'ai le robot. Ça s'est bien passé? Tu n'as pas eu d'ennui? Et avec Militech, ça a donné quoi? Pas d'ennui? Bien sûr que si, vu que Royce s'en foutait complet de votre accord avec Brick. Comment tu l'as amadoué alors? Tu t'es servi de la corpo? J'ai réglé ça sans le soutien de Militech. Je voulais pas prendre de risques. Alors comment tu as convaincu Royce de te lâcher le Flathead? À la manière forte. Y'a que ça qui marche à tous les coups. Tu as du cran, Monsieur V. Et ce rendez-vous avec Evelyn Parker? C'est toujours au programme. Si tu veux avoir une chance d'arriver à voler la puce, tu dois la rencontrer. Parker t'attendra au Lizzie's. Je te souhaite bonne chance. Thank you.
You